lequel avez-vous révisé, étudié, lu, appris Oui. Moi. Oui. Le pont Mirabeau. Le pont Mirabeau. Formidable. Mais il n'est pas prêteuse, c'est ça.
La direction que vous voulez prendre. Moi,
Moi, je veux aller vers le sud, parce que dans le sud, il fait chaud. Moi, vers le nord, parce qu'il paraît qu'il y a plein d'esquimaux, et j'adore les esquimaux. Dépêche-toi avant que tout soit fondu. Moi, vers l'est, parce que c'est vers la Bretagne, et j'adore la choucroute. C'est pas plutôt les crêpes en Bretagne? Si, et je suis pas sûre que ce soit les... vers l'est non plus. Moi, on me dit tout le temps que je suis à l'ouest. Mais apparemment, je ne suis pas le seul. Bien, bien, bien. Donc, non, en fait, quand je vous parle d'orientation, je veux dire ce que vous voudrez faire dans l'avenir, plus tard. Qu'est-ce que vous voudrez faire plus tard, vous? Moi, j'avoue, je n'y avais pas encore vraiment réfléchi. En rentrant chez moi, je vais commencer par me faire une grosse tartine de confiture. Moi, ce soir, j'ai envie d'appeler ma cousine, ça fait trop longtemps. Mercredi, je suis invitée à un anniversaire, mais je n'ai pas très envie d'y aller. Dimanche prochain, je vais chez mes grands-parents. Moi, j'ai encore rien prévu pour l'instant. Dans 2 semaines, mes parents achètent une nouvelle voiture. Nous, on va peut-être avoir un lapin. Je l'appellerai Tofu. C'est du lapin, le Tofu? Samedi soir, mon frère et moi, on regarde un film avec Emma Watson. Oh, la chance! Emma Watson vient chez vous juste pour regarder un film. Je peux pas venir, moi aussi? Non. Alors, quand je voulais dire ce que vous voulez faire plus tard, je voulais dire beaucoup. Faut quand c'est le 13e mois.
Le 13e mois. C'est quoi? C'est un mois de cachet entre décembre et janvier. Comment il s'appelle? Jean-Sambre? Dévier? En tout cas, les adultes ont l'air contents parfois. C'est parce qu'ils font semblant ou parce qu'ils sont inconscients. Non, moi je crois qu'ils sont vraiment heureux. Mais comment font-ils? Je crois qu'ils ont des tactiques spéciales, comme celles qu'on a apprises en cours de sciences. C'est possible qu'il y ait un rapport entre ça et le bonheur? Ça m'étonnerait, sinon tout le monde voudrait faire pareil. Oui, 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 mais moi je crois que des adultes heureux, ce sont des adultes qui aiment ce qu'ils font. Et vous, qu'est-ce que vous aimez faire? Faire la course en vélo, en skate, en trottinette, les concours de grimaces ou chanter à tue-tête, grimper en haut des arbres et ne jamais descendre, dire des bêtises, en faire un peu sans se faire prendre, aller au cinéma le soir quand il fait noir, espionner les oiseaux qui pleurent en bord de loire. Yeah.
c'est d'être un peu plus concret, plus pragmatique. Oui, mais quand on regarde certains adultes travailler, on dirait qu'ils ont besoin d'aide. Pierre qui roule, namastamus. Je ne vois pas du tout le rapport. Elle voulait sûrement dire que c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. C'est vrai qu'on les entend toujours se plaindre. Qui ça, les cordonniers? Bah non, les gens qui travaillent. J'en peux plus, tu sais ce qu'il m'a dit le patron ce matin? Aujourd'hui, les collègues, ils m'ont fait une tête comme ça. Vu le salaire qu'on me donne, je suis déjà bien gentille d'y aller. Je vais démissionner. Ah, vivement les vacances, parce que si ça continue comme ça, moi je vais exploser, j'en peux plus. Les adultes sont souvent au bord de l'explosion. Il faudrait des métiers pour s'occuper des gens qui travaillent. Ça existe déjà, ça. La police des polices ou les inspecteurs de l'éducation nationale. Oui, mais eux, ils sont là pour surveiller, rappeler à l'ordre. C'est vrai, il faudrait en inventer d'autres. Des métiers pour prendre soin des métiers. Des professions professionnelles pour les professionnels de la profession. Il faudrait aussi que les femmes soient payées autant que les hommes. Tout à fait, cette différence ne peut plus durer. C'est même dingue que ce soit encore le cas. Oui, mais tant que les hommes occuperont des postes qui décident des salaires, bah, ils changeront rien. Il suffirait que les femmes... Bien, alors je... Je suis tout à fait d'accord avec vous concernant l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, hein, évidemment. Alors, je vais reprendre... Repartons sur votre idée, là. Les métiers qui prendraient soin d'autres métiers. Qu'est-ce que ça donnerait? Sérieux là, sinon vous allez rester sur le bord de la route.
Sur la route, on risque de se faire écraser, alors qu'en restant à bord, on risque simplement de tomber dans le fossé. Et puis sur la route, ça va trop vite. On n'est pas si pressé. À la limite, une petite route de campagne, mais pas l'autoroute. Exactement. On ne veut pas tous rouler au même endroit. À la même vitesse, dans des voitures toutes identiques. On veut pouvoir imaginer du chemin de travers, des moyens différents pour avancer. Avoir la possibilité de faire de longues pauses. Pouvoir faire demi-tour. Pouvoir revenir en arrière. Vivement qu'on invente une machine à remonter le temps. Si ça se trouve, ils l'ont déjà inventé dans le futur. Et certains d'entre nous viennent de là-bas. C'est pas possible, ça se verrait. Sinon, il sera tout le temps en colère et il n'arrêterait pas de nous donner des conseils. J'en connais des comme ça. Mais vu leurs conseils, ils donnent plutôt l'impression de venir du passé. Il faudrait tenter maintenant de l'avenir avant d'avoir envie de revenir en arrière. Mais moi, je ne comprends pas. Vous devriez être impatient de grandir, de prendre vos propres décisions, de faire vos propres choix. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans l'enfance pour que vous refusiez si fort de la quitter ? Accident du travail, le système en panne. On en
La 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 la
enfants et une direction parfaite d'un mois entier de stage d'été de la musique de Léonie, nous avions bien besoin d'Anne Gognou. À toute l'équipe d'animation, à toute l'équipe musicale, à Julien Joubert.